Salut à toutes et à tous, Marty Japan, regardez derrière moi, des machines, énormément de machines, gachapons. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ce qu'il y a de neuf, ce qu'il y a dans les parages. Je vois des trucs là, ça me titille, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va découvrir ça ensemble, bien évidemment. Mais voilà, petite vidéo mise à jour, on part dans ce délire que j'adore. Promis, un jour, je vous ferai un petit reportage à Yokohama, il y a une boutique énorme avec je ne sais combien de machines à gachapon. Ça peut être sympa de vous proposer ce genre de contenu avec Fraise 1, il faudrait que je contacte la mise, voir quand est-ce qu'elle est libre. Qu'on part vraiment dans un délire. Bref, j'arrête de parler, tu sais ce que je veux dire. Tu es chaud, je suis chaud. On y va ! On commence avec un délire. Une enveloppe en fait qui permet de contenir vos masques. Voilà, petit délire. What the fuck. On a également une sorte de montre avec des petits personnages mignons, pourquoi pas. Il suffit d'ouvrir et puis t'as ton heure affichée en mode digital. Barbe à papa, ça c'est sympathique. Que tu peux démonter, c'est une sorte d'œuf. Et puis à l'intérieur, t'as des différents petits goodies, des petits personnages typé, stylé, Égypte, égyptien, mais c'est quoi qu'on peut accrocher du coup sur ton câble de rechargement, voilà, hein, c'est petite décoration, plus que sympathique, là on est vraiment dans du mignon, Ampaman, tu peux mourir, Kimetsu no Yaiba, des petits badges, pourquoi pas, je comprends pas, je ne comprends pas, le concept de ce truc. Bon, ben, des petits outils, hein, en porte-clés, des petites pinces, petits marteaux. Bref, petits personnages mignons sur des bancs, des troncs, du Bosch. Ça, c'est sympathique, hein, les objets miniatures. Ça peut servir de déco, selon ce que tu fais, des petits dioramas. Du Doraemon, terrible, plutôt plaisant à l'œil. Pareil, ça, je pense qu'on l'avait déjà vu. Un petit curry en porte-clés. Encore des accessoires, mais côté ultra mignon. Kimetsu no Yaiba, des mini-figurines. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. La petite Nezuko. Inosuke, je dis oui. Le prix 400 yens. 400 yens, ma gueule. Je dis non. Chucky. Des têtes Chucky. Alors, c'est génial parce que on peut bouger les yeux. Avec une petite molette située à l'arrière. Bon, c'est rigolo. Porte-clés gnangnan. Porte-clés gnangnan. Du Conan. Du gnangnan. Alors. Pardon, mais. C'est quoi? C'est génial. Alors, selon l'heure de la journée. Le chat ou le chien picole et est totalement bourré. Par exemple, on commence avec le premier chat là sur le devant ici en train de picoler à 17h. Vers les coups de 19h, le chien il commence à être un peu moyen. Vers les coups de 21h, la tête finit dans le bol. À minuit, il commence à pioncer. À 1h du matin, il est KO. Il est KO de chez KO. Mais merde, fallait penser à ça. C'est un putain de concept. On va faire, bon, je sais pas, le mec c'est, il a fait une réunion, il s'est posé avec des gars. Les gars, on va faire des gachapons de chiens et de chats en train de se bourrer la gueule et ensuite on fait des personnages, enfin des petits animaux totalement déchirés. Oui monsieur, on valide, 200 yens. C'est le pays du what the fuck, c'est vraiment le pays du what the fuck. Du coup on part sur du mignon, des trucs, des petits jeux, voilà. Mais ça, mais... Le petit lapin qu'on connaît tous, Miffy, du Nyan Land en train de dormir. Petit portable en mode porte-clé, clapé. Ça, c'est sympa. Putain, je l'avais. Ce téléphone, je l'avais. C'est un Sharp, si je dis pas des conneries. Et tu pouvais recevoir la télé, ça tuait. Bon, on peut toujours recevoir la télé hein, sur son téléphone. Hein. Il y a une antenne. Moi, sur tous mes téléphones Android Sony, il y a une antenne qui permet de capter la télé. Ça tue, c'est le Japon, bienvenue. Kamen Rider dans les parages. Du super-héros dans les environs. Encore du super-héros. Du petit oiseau, Cucui, voilà. Ampaman au secours. Du petit oiseau, Cucui. Je passe un peu tout ça, qu'est-ce que c'est?
des sortes de distributeurs de canettes miniatures Pokémon. Pourquoi pas du Mignon, du Conan, du Pikachu vraiment sympathique, Pokémon mignon avec des petites fleurs et tout ça. Je vois pas du tout ce que c'est, mais encore délire accessoire à la con. Petit présentoir où tu peux afficher l'heure. Et puis des petits trains accompagnés, maquillage de Disney. On va aller voir de l'autre côté, il y a de quoi rigoler, je pense. Ben non, il y en a encore là. Il y en a encore. Nyan-nyan-land. C'est quoi ça? Des onomatopées? Pourquoi pas? Des sortes de badges? Du Dragon Quest avec des monstres, les slimes, des petits moteurs transparents, du coup tu peux voir comment ça fonctionne, pourquoi pas, des Pringles en porte-clés. Ah, ça va loin, ça va super loin. Du Nyan-Nyan-Land, du Snoopy. Alors Snoopy, je vois quelques commentaires, oui Snoopy est un personnage très populaire au Japon et il y a différentes boutiques qui proposent du coup des goodies Snoopy à droite à gauche. Encore des onomatopées, des bulles, tout ce qui est typé manga en forme de porte-clés, du Nyan-Nyan-Land, des personnages transparents de différentes tailles pour les mettre en scène, genre, regardez, ils sortent de la gare. Oh putain, Pingu. Ça, c'est génial. Pareil, hein, c'est un personnage très populaire ici. Du coup, on peut retrouver différents goodies de Pingu. Marvel, personnage en SD. Bref, on va derrière. Ah, du My Hero Academia. Oh putain, c'est rigolo quand même ça. Ça, c'est rigolo. Donc, on a du My Hero Academia, des porte-clés où on peut attacher sa bouteille et du coup accrocher sur ton sac. Voilà. Du Kirby, très plaisant, je trouve, à la mirette. Du Crocodile, ça, on a déjà vu. Du Kamen Rider, on a déjà vu. Du Pac-Man, personnage très bien réalisé, je trouve, dans l'ensemble. Classe. Du Pikmin, des petits personnages accrochés qui sont attachés à la suite que tu peux mettre soit avec tes clés soit avec ton sac, hein, porte-clés. Encore du Kimetsu no Yaiba, 300 yens. Ils abusent, hein. Ils abusent de la licence pour faire péter les prix, quoi. Un garage. Tu peux concevoir un mini garage. C'est chiant, si t'as pas le set complet. Du Doraemon. En veux-tu, en voilà. L'univers du masque, du médecin, des médecins et compagnie avec des miniatures. Encore une fois, c'est le genre d'accessoire que j'apprécie. Surtout quand tu fais un diorama, un décor à la maison. C'est rigolo. Kamen Rider, personnage what the fuck. Du Kirby encore dans les parages. Très très sympathique. Ça a de la gueule. Ça coûte combien? 300, 400, 200? Bah, c'est moins cher. Voilà, allez, abuse pas trop avec une licence Nintendo. Le rendu a pas l'air trop dégueulasse. J'adore, je valide. Des petits personnages mignons et du Kamen Rider. Passons la seconde, parce qu'il y a encore d'autres gâchapons à voir. Nyan-Nyan-Land. 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 Ça va, Marty? Ah, ça, c'est génial. Je vous l'avais montré, mais c'est quand même ouf. Après les animaux qui se bourrent la gueule, on a les animaux assis sur des chiottes, en train de chier, de pisser. L'hippopotame en train de tout fracasser. Je ne veux pas passer derrière, je vous le dis. Avion de guerre. Différents logos Marvel qui balancent de la lumière, genre Spider-Man, voilà. Ça, c'est délire. Ça coûte combien? 300 yens, putain. C'est un peu, c'est, en plus, c'est le genre de merde, tu perds facilement, quoi. Une grosse chenille géante qui te monte sur le doigt. Des petits scooters. Des toilettes transparentes ou non. Bref, ça peut faire un petit déco. Un petit cube. Ça doit être chaud à faire, ça, par contre. Avec différentes marques, je sais plus c'est quoi quelle marque ça. Mais bref, fraise, orange, machin, bidule chouette. Oh putain, excellent ça. C'est quoi, c'est un sac? Ça a l'air d'être un sac, mais j'aime bien le délire. À l'ancienne, avec les anciennes cassettes audio. Personnage avec l'œuf sur la gueule, parce que c'est un œuf ce que tu vois au-dessus. La guerre, machin, bidule chouette. Des personnages en pain. C'est pas du pain, pardon, c'est du croissant. Des personnages en croissant. Alors un mec s'est dit, les gars, on va faire des personnages en plastique, mais typés croissant. Cocorico. What the fuck? Oh putain, il y a encore un truc génial là. Alors, des petits poissons. Alors ça tue. Que tu peux ouvrir, du coup, t'as les arêtes. Ok, mais attends, on va rajouter un truc comme ça. Ça va être un petit peu utile. Il y a un miroir.
Il y a un putain de miroir. C'est un miroir. Tu le loues, t'as les arêtes, t'as le délire. Et t'as un miroir, au cas où, hein, si tu veux te faire un bouton dans le train. What the fuck. Oh là là, il y a quand même des trucs... Le poisson miroir, les personnages en croissant. Et il est où? Ils sont où? Les animaux qui chient. On est quand même dans un monde bien à part, hein. C'est un monde pareil, le Japon. Puyo Puyo, excellent, ça j'adore. Puyo Puyo, des petits personnages en porte-clés, des petites guitares, des petites peluches. Ça, j'ai pas, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça coûte cher. Des petits trains, du Marvel, encore des, tout ce qui est onomatopée, messages et compagnie. Pokémon, des petits messages, des petits personnages plutôt bien réalisés en porte-clés également. De ce côté-là, fusil à pompe, ma gueule. Explose, tes amis. Clac, 200 yens. Alors, ils aiment bien l'univers des armes et compagnie, hein, mais toujours dans le fake, dans le faux. Hein, vous voyez même là, hein, les petites mitraillettes. Ils aiment bien aussi les armes en... C'est quoi? C'est des pistolets à billes. Genre des trucs plutôt bien réalisés. Il y a des boutiques partout dans l'archipel pour la collection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Animal Crossing, petite montre. Des petits parapluies qui mettent une Aiba. C'est joli, ça. 300 yens, fuck. Des petits chats, des petits boutons qui... j'imagine que le bouton reproduit le son de l'arrêt du train, comme d'hab. Shinkansen, donc le TGV japonais. Voilà, des petits appareils photo. Hello Kitty, des petits camions, des distributeurs de boissons, accessoires du coup plutôt sympathiques. Même chose ici, donc s'ils en ont mis deux, c'est que ça doit être populaire. Petit train, oh mais ça, ça me... On est d'accord que c'est complètement décalé. Les chats bourrés, fallait y penser quoi. Des petites bagnoles du coup qu'on peut démonter, tout ce qui est pneus, moteur, Toy Story. Putain, support pour poser ton téléphone Disney avec les châteaux des princesses. Pourquoi pas, c'est rigolo. Pareil, du Disney, du Kirby, Cuphead. Vraiment bien foutu. Des animaux en train de dormir. Encore l'univers, tout ce qui est médicaments. Des petits chiens en train de pioncer, faire le débile, le con. Des animaux derrière des décors pour faire des spots photos. Doraemon. Je vois pas du tout ce que c'est. C'est chelou. Putain, c'est des écouteurs. Tu peux ranger tes écouteurs dans... Ouais, mais c'est un bordel. Où ça... En fait, il y a un mec à l'intérieur. Alors, j'essaie de comprendre. Ça s'appelle Miniature Sniper. Le concept, c'est... Il y a un mini sniper, un mec avec son sniper, dans une boîte à allumettes. Je comprends pas le concept. Et là, il y a des écouteurs. Ah oui, il y a des écouteurs, putain, des écouteurs. Le mec est caché dans les écouteurs. Dans le macaron. Il y a un sniper dans le macaron. What the fuck. Les gars, bon, réunion aujourd'hui. Après les chiens qui pissent, les chiens qui se bourrent la gueule, on va faire des mini snipers dans des brocolis et macarons. On valide? On valide. Du coup, Pokémon. Il y a encore des distributeurs. Alors, Jujutsu Kaisen, enfin... Un distributeur qui n'est pas mis en avant, mais attendez que la licence cartonne encore plus que prévu, ça va, on en verra partout. Vendredi 13, pardon. La fatigue me guette. Des animaux en train de se peser. Ah, moi je suis lourd, moi je suis pas lourd. En train de faire la gueule. Des petits ventilos également. Des petits ventilos complètement what the fuck. Et puis voilà les gens, on a fait le tour. Et bien comme vous venez de le voir, on est vraiment dans un monde purement décalé, what the fuck. J'adore faire ce genre de vidéos, ce que j'appelle des vidéos mises à jour, parce que ça permet de voir les nouveautés et surtout les produits qui nous retournent un petit peu le cerveau. Et là, le truc qui... Merde, le mec a pensé à ça, c'est mon coup de cœur du jour. Les chats, les chiens bourrés. Merde, à partir d'une heure du matin, il est torché le chien, il est torché. Le chat avec la petite cravate sur le front, il est KO. Et un mec qui a pensé à ça, c'est complètement dingue. Bref les amis, j'espère que ce petit délire en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!